Les petits potes, avant que les vidéos commencent, je tiens à vous dire que le Discord est maintenant ouvert, le lien se trouve en description, n'hésitez pas à aller nous rejoindre, ainsi également que sur tous les réseaux sociaux, le groupe Facebook, tous les liens se trouvent en description. Merci à vous tous et bonne vidéo. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier épisode d'un concept que je lance sur ma chaîne, d'un mini-jeu qui s'appelle Qui est-ce version Red Dead Redemption 2. Le concept est très simple et m'a d'ailleurs été conseillé par un abonné que je remercie au passage. Je vais donc afficher devant vous 5 images de 5 protagonistes que l'on connaît dans Red Dead 2, avec lesquels on a échangé et on a fait des missions, bref, des personnes qu'on a tous vues pour les personnes qui ont déjà fait au moins une fois complète l'histoire de Red Dead Redemption 2. Ces images vont être grimées de manière à ce que justement, il soit difficile de reconnaître le protagoniste qui se cache derrière cette image. Je vais donc y ajouter des filtres pour soit les rajeunir, soit les vieillir, leur mettre une nouvelle coupe de cheveux, leur ajouter des sourires, des lunettes, des barbes, bref, qui ne sont pas les leurs. Tout est fait pour que justement, le fait de reconnaître la personne qui se cache derrière cette image soit le plus compliqué possible. Il va y avoir au final 5 images qui vont être diffusées devant vous pendant 50 secondes, donc ce qui veut dire qu'une image va être diffusée pendant 10 secondes devant vous. Vous avez le droit, bien évidemment, de mettre pause sur la vidéo afin de regarder plus attentivement les images pour vraiment vous concentrer au mieux et trouver, selon vous, le bon nom et la vraie personne qui se cache derrière cette image. Et ensuite, vous devrez me mettre vos 5 réponses dans l'espace commentaire avec justement les numéros qui accompagnent les photos que je vais mettre à chaque fois. Donc pour l'image 1, il y aura un petit 1 en haut à gauche ou à droite de l'écran. Pareil pour la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous devrez mettre en commentaire le 1 avec le prénom à côté qui correspond selon vous à l'image en question. Et pareil pour les 4 autres dans l'espace commentaire. Je vais scruter attentivement l'espace commentaire, que ce soit sur mon téléphone ou même sur mon portable, afin de screen la première personne qui va valider la bonne combinaison de tous les prénoms qui correspondent à ceux que j'ai cachés derrière ces différentes images. Et justement, je le présenterai et je l'afficherai comme étant le gagnant lors du prochain épisode. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me donner surtout vos réponses dans l'espace commentaire. Concentrez-vous, mais pensez que derrière vous, il y a d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus chauds que vous et qui vont trouver peut-être plus rapidement que d'autres les bonnes réponses et les mettre dans l'espace commentaire. Donc prenez votre temps, mais pas trop quand même. C'était Vince, vos avis et vos réponses en commentaire. Bonne chance à tous et à toutes. Allez, pisse les gens.